Ok, on se retrouve à Blancherive, les amis. Regardez ça un peu, on a la classe, c'est vraiment super. Ceci dit, alors juste un petit truc, c'est que en off, je viens d'avoir la visite de ce monsieur, c'est un Désolé, messager. rien du tout. Et il vient de me donner une lettre d'un Jarl. Donc voilà, il n'y a rien de plus, vous n'avez rien loupé de plus, j'ai envie de dire. Il faut juste que je retrouve cette note. Lettre du Jarl, Sidger de Épervein. Allez, on va lire ça ensemble. Phidias, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sidgir. Sidgir, je sais pas comment on dit. Et j'ai l'honneur d'être le Jarl de la fière cité de Épervein. Le récit de vos exploits à bord de ciel est parvenu jusqu'à moi. Et si cela vous intéresse, je vous propose de devenir un Tann de la châtellerie de Falkreath, donc de Épervein, hein, c'est le nom anglais. Je vous invite donc à venir me voir pour que nous discutions lors de votre prochaine visite à Épervein. Outre l'honneur de leur titre, mes Tann ont droit à un Huscarl personnel. Je souhaite également vous entretenir en privé au sujet d'une parcelle de terrain à Épervein que vous seriez en mesure d'acheter si vos services à mon égard me semblaient utiles. Pardon. Dans l'attente de vous rencontrer personnellement, respectueusement vôtre, le Jarl Sidger de Épervein. Voilà, ok, super. On commence à faire nos petites réputa à avoir nos petites réputations là, les amis. Donc ça commence à Non, être pas mal. désolé, rien du tout. Ouais, donc là, moi, il faudrait peut-être que je vende un petit coup avant de partir en direction de. En direction de la Cité des Mages. Fort hiver. Voyons voir un petit peu ce qu'on a sur nous. Là, on n'a rien. Ici, Arkelon, ça je vais vendre. Arkork, ben, je n'en ai plus trop besoin, hein, donc on va vendre. Ouais, j'ai pas mal de trucs à vendre. Ok. Non, Et désolé, ben rien du écoutez, tout. écoutez, écoutez, on va Les repasser le vampires temps un petit représentent peu. un danger de plus en plus grand. Ouais, ok. On va passer le temps. Il est quelle heure? Il est 9h du soir. On va passer le temps, on va faire passer 10 heures d'affilée. Voilà. J'espère que ce sera ouvert. Non, désolé, rien du tout. Ah, il fait jour, mais à mon avis, il est encore Non, trop tôt. désolé, Ouais, rien du tout. c'est encore fermé. Oh, regardez qui voilà. Le déhanché fatal. On va attendre qu'elle prenne Non, ses fonctions désolé, à la forge et rien on du va tout. lui vendre des trucs à elle. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous À intéresse. Adrian Et encore plus à Avenici. l'intérieur. Hello. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bref. Je On va lui note, parler. avez-vous rencontré mon père? Alors, C'est le charmant on peut lui Jarl vendre des trucs. Forradin. Alors, petite dédicace à Lelouch et sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Moi, je peux acheter chez elle. Elle m'a pas donné de quête encore. Donc, voilà, un petit clin d'œil que je voulais faire à Monsieur Lelouch. C'est parti. Épée, On vend. casque, vous savez ce qu'il vous faut. Allez, on va lui vendre des trucs. Hein, parce que là, il faut qu'on. Hop, arc-orc, on le vend. On s'en sépare. Il nous a bien servi, par contre. Les flèches, on n'en a plus besoin. Les flèches de fer, encore moins. Flèches nordiques, on les vire. Étant donné qu'avec les armes liées, on a automatiquement des flèches liées. Donc là, c'est vraiment cool. Par contre, l'épée de lame, je vais la conserver parce que je la trouve très stylée. C'est un katana et je la trouve vraiment très bien. Je pourrais peut-être l'enchanter à l'avenir, ce serait peut-être une bonne idée. Ok, tout ça, on va garder. Très bien. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin Eh de quoi bah, que ce on soit. va aller, on va aller, on va sortir de la ville. Tout simplement. Et on va prendre la navette. La carriole pour aller pour nous rapprocher de Fort-Hiver. Histoire de voir ce qui s'y trame et ce qui s'y passe surtout et en apprendre un peu plus sur la magie. Donc on va couper par ici peut-être. Hop. Ouais. Tac. Tac. C'est parfait. Je kiffe le perso, il a plus rien du tout. On dirait qu'il est sans défense. Eh ben non. Car on peut invoquer une arme spirituelle. Et ça, c'est génial.
Alors, où est-ce qu'on peut aller avec ce monsieur? Bonjour, Burlam. Je peux vous conduire à n'importe quelle capitale. Ouais, moi je souhaiterais louer votre Où voiture. souhaitez-vous aller? Alors, où est-ce que je veux aller? Moi je veux aller à Fort-Divers. Oh, putain, 50 pièces! Putain, tu te mouches pas du coude, mon gars. Remontez et nous partirons. Ok. 50$, putain, t'as intérêt d'apprécier le trajet parce que là. C'est cher, oh, hein? Bon, en même temps, c'est assez loin, donc on va pas chipoter, on n'est pas à 50 pièces. Oh là là, c'est beau ça. C'est une belle sculpture là. Voilà, on vient d'arriver. Oh, regardez comme c'est joli, il y a de la neige et tout. Oh, c'est beau. Récolter givreboise. Alors, nouvelle découverte, nouvelle petite bourgade de Fort d'hiver. Ah, ne pars pas. Bonjour. Où vas-tu comme ça? À l'auberge pour boire un verre, évidemment. Bonjour, Birna. Oh, tu es pas mal aussi, toi. Et après, je vends de tout, si ça vaut le coup. Souvenez-vous-en, d'accord? Les affaires vont bien ici. Très drôle. Vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas foule à Fort d'hiver. Je vends tout ce que je peux. Je mets un prix à la moindre babiole. J'ai été brûlé plusieurs fois. J'ai conclu quelques marchés peu rentables, mais je m'en suis toujours sorti. Ok. Vous parlez de quelque chose d'intéressant. Oui, c'était de ma faute. J'aurais dû ignorer ces bobards et refuser l'offre. Je me retrouve maintenant avec cette camelote sur les bras. C'est quoi l'histoire? Il était question de cette griffe et du tertre d'Ingol. Ouh, il m'avait une dit griffe? Qu'elle vaudrait plus que son poids en or une fois au tertre. Ça parlait de la replacer dans la chambre d'Ingol, je ne sais plus. Mais où avais-je la tête? Même s'il disait vrai, jamais je n'aurais mis les pieds dans un ancien tombeau rempli de Dieu sait quoi. Des drogueurs, sûrement. Je pourrais m'y intéresser pour vous, gentes demoiselles. C'est plus mon affaire. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous l'envoie contre 50 pièces d'or. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Je vais vous prendre cette griffe pour 50 pièces d'or. Parfait, voilà pour vous. Si vous vous faites tuer pour cet objet, je n'y suis pour rien, c'est clair? Dites, certes. S'il s'avère que cette babiole a un tant soit peu de valeur, vous me le direz, hein? Je n'y manquerai pas. Griffe de dragon en corail. Waouh, super! Pourquoi avoir installé votre boutique ici? J'y ai été contrainte. Je n'avais pas vraiment le choix. Ranmir et moi avons grandi ici. Et il dépense bon. Quasiment tout ce que je gagne à la taverne. L'enfoiré. Sans argent pour déménager, je me suis mise au commerce. Ok. Très bien. Ok. Et toi, t'es le frère, sûrement. Si vous voulez mon avis, c'est tout Fort d'hiver qui aurait dû tomber dans la mer. Ok. Ne m'énervez pas, elf. Pensez à surveiller le ciel. On change de ton, là, les amis. Je suis là en paix, pour le moment. On va prendre les givreboises, parce que je trouve ça cool. Eh ben, on va aller la voir dans sa petite fin de série de Birna. Dans sa petite échoppe. On va aller voir ce qu'elle vend, hein, tout hasard. Il y a peut-être des trucs intéressants pour nous. Bien que maintenant, on n'est plus trop lié. Oh, regardez, elle est où? Il y a quelqu'un? Oh, il n'y a personne! Regardez, une petite bourse. Ah, j'entends quelqu'un. Vous devez partir. Oh, j'ai failli me faire gauler, les amis. Vous devez partir. Je vends de tout, si ça vaut le coup. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu veux? Une hache d'acier, c'est merdique. Anneau d'archerie minime. Oh là 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 là. Combien il vaut? 1526. Putain, j'ai bien envie de l'acheter. Anneau de poigne, furtivité. Allez, on achète l'anneau. Tant pis. On va se ruiner, mais c'est pas bien grave. Alors, divers, qu'est-ce qu'elle a? Tac, tac, des crochets. Hop, je vais prendre deux petits crochets. Ça fait toujours plaisir. Voilà, très bien. Ah, ça, c'est cool. Anneau d'archerie minime. Alors, tenue. Anneau de... Hop. Ah, du coup, j'enlève la magie. Ah. Est-ce que je vais pouvoir toujours invoquer mon arc? Ça, c'est la question.
Eh oui, je ne peux pas. C'est cet anneau qui me fait... qui fait que je peux. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. On a quand même... on va le conserver, cet anneau d'Archiri. Il nous servira bien plus tard. Ah bah, c'est cool. Allez, hop. On sort de là. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on a récupéré une griffe, les amis. On va aller la voir. On va aller voir ce qu'elle, quels sont les symboles, déjà. Donc, c'est dans divers, normalement. Griffe de dragon en corail. Regardez ça, c'est joli. Alors là, on a du serpent. On a du loup. Et on a du papillon. Très bien. Très, très bien. Est-ce que dans les quêtes, quelque chose apparaît? Tac, tac, tac. Non. Non, non, non. Question d'honneur. Tac, tac. Ok. Alors, est-ce qu'on n'irait pas essayer notre arc sur un dragon, quand même? Ah. Ouais. Les mages attendront. Les mages attendront. Est-ce qu'on peut récupérer une carriole ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas si la carriole est ici. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a pas mal de bâtiments délabrés ici. C'est plutôt joli. J'aime beaucoup les ambiances un petit peu enneigées comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Ouais, du coup, là, je suis un peu loin. Est-ce que je peux me rapprocher peut-être? Ah oui, je suis totalement au nord du truc. Bah, écoutez, on va stepper de nouveau aux écuries de Blancherive. Et on va reprendre la carriole qui va nous emmener directement à côté. Enfin, du moins, je l'espère. Parce que je vous avoue que par ce temps-là, j'ai pas trop envie de courir dans la neige. Ça pourrait être un petit peu long. En même temps, ça nous permettrait de visiter un petit peu et de découvrir des lieux, mais bon. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est proche de ça. Il y a Vendôme qui est juste à côté. Bon, bah très bien, direction Vendôme, les amis. Ça va nous coûter un peu de thunes encore, mais c'est pas grave. Où souhaitez-vous aller? À Vendôme! Que tu proposes. Ouais, 20 pièces, ça va. Ça va, 20 pièces, c'est correct. Allez. On monte dans le chariot. Et c'est parti. J'aime bien le gars qui fait le guide touristique. Oh, regardez le dragon, magnifique. Magnifique dragon. Regardez ça. Le chara-design hein, est vraiment magnifique dans ce jeu. Regardez ça, un peu les détails et tout. Les textures, vraiment magnifiques. Ah, les dragons sont vraiment très 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 réussis. Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Très très beau. Alors, là nous sommes à Vendôme. Ok. Et nous, il faut qu'on aille vers le bosquet de Kin. Très bien. Eh ben, on va s'y diriger. Et on va voir un petit peu... un dragon, certainement. Hein. On va retrouver Delphine. Qui, j'espère, ne va pas s'enfuir en criant. Elle va pas nous laisser seuls face à ce dragon. Alors, on va essayer de... Peut-être de couper par là. Est-ce que ça pourrait passer? Ouais, ça passe, ça passe. Alors, on n'est plus très loin. Je pense que ça va être assez épique. On va essayer de pas décéder. Oh, écoutez, écoutez, on entend. Oh là là, regardez un dragon! Allez, on va courir un petit peu. Regardez ça. Magnifique dragon. Ah, ça passe pas par là. Mince. Mince, mince, mince. Faut que je fasse le tour. Hop. On va essayer d'équiper le sort. Non, ça passe pas par là non plus. Oh là là, décidément. Allez. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Oh, regardez! Oh là là! Oh, elle a pris cher, elle. Oh là là! Regardez ça! Regardez ça! Je sais pas où est Delphine. Sans aucune. Arc de chasse, flèche d'acier. Bon, bah là, on va tout prendre. Hein. On va prendre ce qu'on peut parce que. Du coup, moi, j'ai besoin de. Oh la vache!
Est-ce qu'on peut l'entamer celui-là déjà? Tiens, mange. Non. Oh là là, c'est Alduin, je pense, c'est le dragon du début. Regardez ça! Un dragon. Un dragon d'os! Oh la vache! Oh là là, il. Saloknir! Vite, on va prendre de la. On va prendre des potions de santé. On en a plein, on va pas s'en priver. On va prendre de la vigueur également. Parce que. Potion de vigueur, je vais. On va lui l'empoisonner, on va voir si ça marche. Normalement, oui. Tiens, bouffe. Oh là 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 là, je prends des dégâts de fou. On va prendre un poison de. Du poison, tout simplement du poison, les amis. L'arme actuelle est déjà empoisonnée. D'accord, très bien. Et voilà. On a tué Saloknir. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Une botte de fer, on s'en fout. De l'or. Os de dragon, ça je prends, ça vaut très cher à la revente. Magnifique. Ah, ça c'est bon, le pouvoir du dragon, donne-le-moi. Merci. Ah, l'effet, je trouve vraiment bien, bien, bien. C'est bien foutu. Hein. Alors, Delphine est là-bas, elle s'est bien planquée pendant le combat. Vous êtes vraiment l'enfant du dragon. Merci de ne pas m'avoir aidé. Je dois des réponses, n'est-ce pas? Allez-y, tout ce que vous voulez savoir, je ne vous cacherai rien. Ah, j'espère bien. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je suis l'un des derniers membres des Lames. Il y a de cela très longtemps, les Lames étaient des chasseurs de dragons au service de l'enfant de dragon, le plus grand tueur de dragons. D'accord. Les 200 dernières années, depuis le règne du dernier empereur enfant de dragon, les Lames se sont recherchées une cause. Et maintenant que les dragons sont de retour, celle-ci est claire. Nous devons les éliminer. D'accord. Les Lames, de qui s'agit-il ? Exactement. Plus personne ne se souvient de nous aujourd'hui. Autrefois, nous étions reconnus dans tout Tamriel comme les protecteurs de la dynastie des Septimes. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Depuis 200 ans, conformément à notre serment, nous cherchons l'enfant de dragon afin qu'il nous guide et nous protège. Mais nous ne l'avons jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi. Qu'allons-nous faire maintenant? La première chose à faire, c'est de découvrir qui se cache derrière les dragons. Notre meilleure piste, c'est celle des Talmor. S'ils ne sont pas directement impliqués, ils sauront qui l'est. Qu'est-ce qui vous fait penser que le Talmor est en train de ramener des dragons à la vie? Rien de sûr pour le moment, mais mon instinct me dit qu'il ne peut s'agir que d'eux. L'Empire avait capturé Ulfric. La guerre était comme terminée. Soudain, un dragon attaque. Ulfric s'enfuit et la guerre refait rage. Et maintenant, les dragons attaquent partout au hasard. Bord de ciel est affaibli. L'Empire est affaibli. À qui cela profite-t-il, si ce n'est au Talmor? Ouais, certes, ça se tient. Il nous faut donc découvrir ce que le Talmor sait au sujet des dragons. Vous avez une idée? Si nous pouvions entrer dans l'ambassade du Talmor, c'est leur base d'opération en bord de ciel. Le problème, c'est que cet endroit est gardé comme un coffre-fort. Côté paranoïa, je n'ai rien à leur apprendre. Comment faire pour entrer dans l'ambassade du Talmor? Je ne le sais pas encore. J'ai quelques idées, mais il va me falloir du temps pour concrétiser tout ça. Retrouvez-moi à Rivois. Si je n'y suis pas, encore, attendez-moi. Je ne serai pas long. Ok. Surveillez le ciel. Les choses ne vont qu'empirer. D'accord. Clé de la porte secrète de Delphine. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon. On vient d'éradiquer ce dragon. D'ailleurs, on va lui... Étant donné que je m'en étais pas servi, voilà, c'est un peu... Ce n'est que justice. Alors du coup, là, vu qu'on est à côté, on va essayer de... Ça donne des patates aussi, ça c'est cool. On va essayer de découvrir un petit peu le ce qui se passe par là. On dirait une auberge.
Bon, c'est un dragon qui était relativement facile, mais vous voyez que quand même, avec cette arme-là, on fait des gros gros dégâts. Hein. Je vous cherchais. Ah, encore. J'ai quelque chose à vous remettre en main propre. Uniquement. Décidément, je reçois voyons beaucoup de messages. Une lettre. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit, juste qu'il était un de vos amis. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ok. Voyons voir. Voyons voir ce que c'est. Lettre d'un ami. Phidias, vous avez causé du remue-ménage en démontrant la puissance de votre Touhoum. Les gens n'attendent pas tous avec impatience le retour de l'enfant de dragon. Je suis de ceux-là et je désirerais vous aider à développer vos talents. Bordeciel a besoin d'une figure de proue. Vous devriez prêter attention à Répit des Morts. On y trouve, à ce qu'on dit, une mystérieuse source de puissance que seul l'enfant de dragon peut libérer. Salutations, un ami. Ok. On a pas mal d'amis en ce moment. On va se méfier quand même parce que ça me paraît un peu bizarre. Alors j'ai vu une... Pardon. La tisseuse de pierre. Oh la vache. La mine est constamment sur le point de s'écrouler. Heureusement que je suis là pour l'entretenir. Qu'est-ce que vous faites au bosquet de Kin? C'est un peu indiscret, non? Quand je vivais à Morrowind, j'étais mage. Ici, j'offre mes services aux mineurs. Je les aide à assurer la sécurité dans les tunnels. Ouais, d'accord. Azura, la chaleur y est insoutenable. J'utilise des sels de givre pour fabriquer une potion qui la rend plus supportable, mais je n'en ai plus. Je pourrais trouver ces sels de gel pour vous. Si vous voulez vous donner cette peine, faites donc. J'imagine que je pourrais vous donner quelques leçons d'altération à votre retour. Ah ah ! Intéressant. Altération, je sais pas du tout ce que c'est. On va jeter un petit œil et voir si c'est intéressant ou pas. Corps de chêne, ah ouais, c'est tout ce qui est protection, machin comme ça. Ok, bah peut-être, ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Faudra voir. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue cette quête ou est-ce qu'on bifurque sur une autre quête? On va peut-être faire ça. Moi, ça me plaît bien, ça. Apporter les sels de givre à Dravinea. Ça peut être cool. Ouais. Je pense qu'on va... On va peut-être... Ah, j'ai mon... Le pad qui bug. Voilà. Alors, ça arrive quelquefois quand on joue au pad. Très bien. Eh bien, écoutez. Oh là là. Je suis désolé, encore cette poule qui me... Ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas... C'est pas encore remis, donc... Ah, la popoule. Ou alors, on va peut-être visiter avant ça. Faut qu'on aille où? Où est-ce qu'il faut qu'on aille? On n'a pas de... On n'a pas de repère pour trouver les ailes de givre, en fait. Ah, c'est un peu troublant. Ah, il y a peut-être une mine là-haut. On va jeter un petit œil, vite fait. Il ne faudrait pas s'attirer les poudres de givre volant ses armes. Ouais, elle est là, la mine. Ok, bon, bah, je pense que c'est là-dedans qu'on va pouvoir trouver ce qu'il nous faut. Allez, on y va. Direction la mine de brûle-vapeur. Oula. Allez, on rentre là-dedans. Tranquillement, mais sûrement. Oh, un coffre. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ?